Donc j'ai plaisir à accueillir sur notre stand Thibaut. Merci. C'est lui. Je crois que tu peux te présenter. T'es qui, Thibaut ? Je m'appelle Thibaut Chappe. Moi, je suis photographe professionnel à Aix-en-Provence. Je fais essentiellement de la photographie sociale. J'essaie d'y apporter un regard un peu moderne, un peu innovant, parce que je sais que il y a des situations où la photographie se fait toute seule, parce que la scène est forte, parce que l'action fait la photo, et qu'on se contente d'être là au bon endroit, au bon moment, et de photographier correctement l'image. Et il y a des instants où la scène est plus banale, la situation est plus banale, l'environnement est plus banal, et on a besoin, nous, de mettre en œuvre nos techniques de photographe et nos petites astuces pour faire en sorte d'avoir des images qui sont un peu plus percutantes, un peu plus intéressantes, et qui aient un petit peu plus de vie. Alors nous, ce qu'on aime chez Thibaut, c'est qu'il fait partie de tous ces trentenaires qui arrivent dans la photographie sociale avec un œil nouveau, avec une démarche un petit peu commerciale également, avec la joie de participer dans des concours, puisque je crois que tu as été primé à plein de concours de la profession. J'ai eu quelques médailles régulièrement. L'année dernière, j'étais en effet dans l'équipe de France de photographie pour la Coupe du Monde. Donc c'était une grande distinction. Ouais. Et puis surtout, il fait partie de cette jeune génération qui fait bouger cette profession un petit peu de photographie sociale. Alors quand je vous dis qu'il n'est pas trop mauvais, c'est ce qui sort un petit peu sur du mariage. Ouais. D'abord, tu fais du mariage. Je fais beaucoup de mariages. En effet, ça occupe à peu près tous mes week-ends. À part aujourd'hui, je suis là. Ça illustre assez bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a des actions qui font la photo. Alors évidemment, là, il faut se contenter d'être au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a des situations qui sont parfois plus compliquées. Là, ici, il pleuvait. Les mariés ne voulaient pas faire de photo. Donc le fait d'aller chercher un truc un petit peu rigolo, de trouver un petit trou de lumière à travers des arbres, ça permet d'avoir des images un peu intéressantes malgré la situation compliquée parce qu'il pleuvait très fort ce jour-là. Ça, c'est un deuxième volet de ton activité où tu es également un petit peu photographe de mode, portraitiste. Exactement, ouais, sur des activités au studio, sur des éditos, sur des magazines, sur des publications. Ouais, tout à fait. Donc là, tu as une écriture un petit peu à toi. Ouais. Et ça, c'est plutôt mes projets personnels en fait. Je suis assez intéressé par la lumière et par la structure du corps, le graphisme du corps. Le graphisme en général, mais le graphisme du corps et forcément la mise en lumière du corps humain. Donc c'est tous mes projets personnels, c'est des photos qui ont gagné des prix, tout ça. Voilà, c'est des choses dont je suis assez fier. Ça fait partie, ça, des défis, faire un petit peu de nu sur scène. Ça fait partie des défis. Non. On va te présenter après ça. Elle n'est pas joueuse. Elle n'est pas joueuse aujourd'hui. Et là aussi encore des photos sur pareil la structure du corps, la mise en lumière et la mise en image de tout ça. Alors, les défis, puisque c'est un petit peu le brief de base. Je lui ai dit, je t'accueille sur le stand Nikon, mais il faut que tu me fasses des choses qui bluffent, qui soient différentes des copains. Alors, ils font quoi, les copains? Alors, tu aurais pu faire des choses un petit peu comme notre ami, il est passé où, Jérôme? Mais comme il est passé avant toi, il a déjà fait pas mal de choses. Exactement. Donc, il fallait être un petit peu différent, il fallait se mettre en danger. Et tu m'as dit que tu allais faire relever un petit peu trois défis, réaliser trois images sur scène. Exactement. Qui sont La première, c'est une surimpression sur fond noir, sans fond noir. Je t'en remercie pour le stand. En fait, c'est une technique qui m'a pas mal aidé quand je veux photographier plusieurs personnes. J'ai souvent eu le problème d'en avoir un qui faisait une grimace, une tête un peu bizarre. Les papas, ils ont pas trop envie de venir faire les photos, ils sont comme ça. Les enfants, ils font forcément les imbéciles. Et donc, quand on essaye d'avoir en un minimum de temps des images qui soient le plus rapidement exploitables, avec un minimum de retouches, hein, le but du jeu, c'est pas de passer forcément au post-traitement. On a des techniques qui nous permettent de nous aider. Je vais vous montrer comment ça marche. Le deuxième défi, c'est d'afficher le dessin. Le deuxième défi, c'est un effet halo lumineux qui ressemble à ça. C'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, dans une situation plus banale, rapporter un regard un peu créatif. Notre boulot de photographe, c'est de faire des jeux de flou net. Et en l'occurrence, là, je vais travailler sur des flous lumineux, justement pour une surimpression dans le style. Le dernier défi, c'est un flash effilé. C'est parce qu'une photographie au flash est souvent, parfois, un petit peu figée, un peu statique, un peu rigide. Et c'est une technique qui permet de donner un petit peu de vie, un petit peu d'âme, un petit peu de créativité à l'image, sans forcément beaucoup de technique, mais qui donne des effets qui en marchent relativement bien. Dans le premier défi, la surimpression. Juste avant que tu présentes le défi, je vais donner un petit peu les conditions de prise de vue, pour être clair pour tout le monde. On est sur du boîtier D5, donc jusqu'à présent, c'est facile. L'intérêt du D5, en fait, c'est qu'il y a une connexion Wi-Fi, la WT6, qui me permet directement d'être connecté à mon ordinateur. On récupère les images avec le logiciel qui est Camera Control, et puis on les ouvre avec View NXEI. La surimpression, en fait, ça vient d'un constat simple, c'est comment faire pour avoir, dans une même photo, plusieurs personnes qui ont une attitude correcte. La première réponse qu'on se dit, c'est photographier plusieurs fois.
Mais comme on est photographe, on a envie de le faire dès la prise de vue. Et il y a une fonction fabuleuse dans nos boîtiers qui s'appelle surimpression. C'est pour ça que le défi s'appelle comme ça. Donc je vais vous montrer comment on l'active. Et on a la possibilité de faire plusieurs déclenchements du boîtier qui vont s'impacter sur une même image. Okay ? Donc la technique, c'est de faire une photographie en laissant une zone noire pour que la deuxième photographie vienne se surimposer dans la zone noire et ainsi de suite. On peut aller très loin, plus il y en a, plus c'est compliqué. On va se limiter à deux peut-être aujourd'hui. Habituellement, ce type d'image, évidemment, comme vous le disiez, ça se fait dans un environnement un peu plus tamisé qu'ici et avec un fond neutre. Voilà. Raté. Donc on va se débrouiller sans. Donc là, pour compenser ça, je vais envoyer un coup de flash très fort. Donc c'est le genre de photo que je fais à une ouverture qui est de l'ordre de F8 habituellement. Aujourd'hui, je vais être certainement à F16. Parce que je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Et je vais envoyer un flash très fort. Et j'aurai une lumière qui sera beaucoup plus contrastée puisqu'on compense un petit peu la difficulté. Et je vais vous montrer comment on peut mettre en œuvre ça. Je vais poser le micro, installer le flash et je vous explique après, je crois. Ce dont j'ai besoin sur la photo, si vous l'aviez encore un petit peu en tête, ce dont j'ai besoin sur la photographie, c'est de découper une partie du visage pour avoir un accès uniquement sur un profil de lumière et avoir un maximum de l'image dans le fond noir. Donc pour ça, je mets ma petite source derrière pour juste récupérer le profil de Sarah. Et en termes de vitesse, je suis à 1/200, c'est la vitesse de synchronisation du flash. Et en termes d'ouverture, là par contre, je vais fermer beaucoup pour pouvoir avoir un minimum de parasites sur la lumière ambiante et pour pouvoir avoir essentiellement... ça marche ? Ok. Pour avoir essentiellement la lumière qui est impactée par le flash uniquement. Au niveau du réglage, donc ouverture, vitesse, on en a parlé. Au niveau du réglage, je veux que ma photo soit en noir et blanc. Je vais dans le menu prise de vue. Je vais aller chercher sur mon écran, ça sera plus vite. Je vais aller chercher picture control et je vais passer en mode monochrome. Le mode monochrome de picture control va simplement me permettre d'avoir des photos qui sortent directement en noir et blanc. Et à l'intérieur de ce menu que je ne peux pas vous montrer, il y a plusieurs fonctions. Il y a le nombre de prises de vue. On va choisir si on fait 1, 2, 3, 5 photos plus pour mettre sur la même image. Et il y a, dans le D5 en tout cas, plusieurs modes de fusion des images. Mais bon, je reste sur le mode de base, donc il n'y a pas grand-chose. Donc en mode en débranché, je pourrais faire ça. Je vais faire une première image pour régler ma lumière et après je vous montre comment ça fonctionne. J'ai parlé de faire des photographies de plusieurs personnes, en l'occurrence pour que ce soit peut-être plus parlant, c'est peut-être mieux si je fais venir une deuxième personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir faire une photo avec Sarah ? Je les ai un peu trop superposés. J'ai un peu raté mes repères. C'est Sarah avec la barbe, c'est la classe. Donc je les ai un tout petit peu trop superposés. Bah ouais, tu vois, c'est la pression, hein, je suis désolé. Habituellement, je fais ça tout seul, tranquille. J'ai pas des dizaines de perdus qui me regardent non plus. Donc voilà. Donc on va le refaire en laissant un peu plus d'espace entre les gens. Parce que là, t'es télescopé, tu me fais super peur, Jérôme. Allez, reviens. Donc là, il y a encore un petit défaut, évidemment. Hein. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin dans l'implantation. Je me suis un peu trop reculé, donc Jérôme est beaucoup trop grand. Et surtout, j'ai pas mis Jérôme suffisamment près de la lumière, donc le contraste n'est pas le même. Donc c'est pas optimal. Merci Roland. C'est pas optimal, mais l'idée c'est ça. On peut essayer de la refaire si vous voulez, mais en l'occurrence, l'explication est faite. L'heure elle avance. Concrètement, voilà, je pense que c'est pas indispensable. Concrètement, Sarah pose beaucoup mieux que Jérôme, hein, ça c'est la vérité. Donc. Désolé mec, mais l'idée c'est ça, c'est de réussir à implanter les deux dès la prise de vue et au final ça permet d'avoir des images qui sont avec des expressions qui sont plus intéressantes de chacun des personnages. Le défi numéro 2, non parce que tu reviens lundi en fait. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Le défi numéro 2 c'est un halo lumineux. Alors on parlait de flou, de net, de jouer avec des flous lumineux. Là encore je vais m'amuser à superposer un petit peu des situations. On va faire ça avec une seule photographie, hein. Il n'y a pas plusieurs images. Il y a plusieurs déclenchements là-dessus. Et j'utilise du coup un accessoire qui est extraordinaire. C'est la petite guirlande de Noël. Je suis sûr que vos femmes, elles en ont toutes une, messieurs. Et puis, mesdames, vous savez où on trouve ça ? Dans les magasins de déco. Et actuellement, c'est les fêtes à Noël, il y en a de partout. C'est une bête petite guirlande de Noël qui fait de la loupiote, ça marche à LED et ça me sauve la vie. En termes de réglage là, sur l'appareil photo, la puissance lumineuse de ma petite guirlande, elle est quand même un petit peu moins importante que la puissance lumineuse du soleil en 15 juillet à Marseille.
Donc évidemment, c'est des photos qui marchent mieux quand la lumière est un petit peu tamisée, parce que ça permet d'avoir les halos lumineux qui ressortent d'autant mieux. Donc on essaye d'avoir une ouverture suffisamment grande, avec un temps de pose qui est suffisamment grand. Là, dans le salon, je vais pas me casser la tête, je vais me mettre en mode priorité ouverture, en ISO auto. Il va gérer lui-même son réglage. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on veut faire et comment positionner la petite guirlande pour qu'elle donne un effet intéressant. Donc par défaut, elle est désactivée. Je l'active. Une fois qu'elle est activée, je l'aborde. Je dis à mon appareil photo, dès qu'il y a beaucoup de lumière, je t'autorise à descendre jusqu'à 100 ISO. Dès qu'il y a peu de lumière, je t'autorise à monter. Et là, ça fonctionne complètement. 1, 2, 3. Ça dépend complètement des différents types d'appareils photo. Mais sur ce type de produit, il n'y a pas de souci. On peut monter relativement haut. Là, si je travaille en manuel, ça va exposer avec une sensibilité qui sera entre 100 et 40 000. Et puis quand je travaille en priorité diaphragme, je crois que c'était ça, on peut demander en fait avoir une vitesse de travail optimale. Une vitesse de travail que je vais imposer. Tu veux imposer une vitesse de travail ou on la laisse faire ? 60e. Sinon, on pourrait très bien le laisser faire, être sur une vitesse de travail automatique. Et dans ce cas-là, en fait, l'appareil photo va s'adapter un petit peu en fonction de la focale. Pardon. Il vous fera une nuance sur la focale, c'est-à-dire que si vous travaillez au 200 mm, ben là, en position centrale, vous serez au 200e, 400e, 800e, si vous intervenez. Donc toi, tu veux bosser au 60e, je te mets au 60e et je te rends l'appareil photo. Donc, je suis en mode priorité diaphragme avec une ouverture relativement grande. Je vais me mettre à 2,8. Ça se voit faut pas y aller, l'air retourne, faut y aller. Et on y va. Tac, 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 on est bon. Ça va. J'ai fait une première photo de la guirlande parce que, évidemment, pour vous expliquer qu'une guirlande comme ça, prise en photo où on la voit, c'est pas très intéressant. Par contre, dès qu'on commence à la mettre près de l'objectif, on voit plus la guirlande, mais on voit juste le halo lumineux. Je t'en prie, tu peux défiler. Et donc là, on a une première photo où on a la guirlande qui est en limite du champ, qui va pouvoir nous cacher une partie d'une zone. Donc ça peut nous gommer une partie pas très esthétique d'une pose, d'une séance, dans un endroit, quand on se retrouve avec un panneau, quelque chose, ça peut nous sauver la vie. Donc là, une photo sans la petite guirlande, on voit bien du coup finalement les personnes qui sont derrière. Alors c'est relativement flou, mais on a quand même une zone qui avait été masquée dans la photo d'avant. Et quand on réintègre la petite loupiote, on peut cacher un certain nombre d'éléments. Et quand on l'intègre encore différemment en jouant sur la distance, alors c'est vrai qu'on les voit pas très bien sur cet écran-là, on a vraiment des petits faisceaux, des petits halos lumineux qui se créent. Et donc voilà, on a des petits éléments qui se créent. Avec des effets de flounette, on a ce genre de trucs-là qui sont intéressants, que moi j'aime bien. On voit pas le petit câble finalement parce qu'il est relativement fin et que avec la profondeur de champ, la proximité de la guirlande sur l'écran, en fait, elle passe complètement inaperçue parce que c'est une petite guirlande très fine en fait. Est-ce qu'on considère qu'il a réussi ce défi, comme il y a un troisième défi qui leur tourne? Allez, on l'applaudit bien fort. Merci. Dernier défi, en effet, c'est le flash effilé. C'était cette photo qu'on vous a montrée tout à l'heure. On ne va pas pouvoir réussir à faire ce type d'image-là. Si. Déjà parce que Sarah, elle ne veut pas enlever son t-shirt. Mais surtout parce que, en fait, c'est une photo qui a été faite en studio, dans le noir le plus absolu, avec pour seul éclairage la lumière de la lampe pilote du flash et le flash. On va essayer de vous montrer la technique de comment ça marche, mais là concrètement, pas de fond noir, de la lumière ambiante très importante, c'est techniquement impossible. Je vais quand même essayer de faire un truc qui puisse s'en rapprocher, histoire de vous montrer la technique. L'idée là encore, c'est d'utiliser une photo floue avec une photo nette. Ça ressemble un peu à une technique que les photographes qui font de l'événementiel du mariage ont eu l'occasion d'utiliser. Quand on fait des photos de soirée, on met un coup de flash à nos mariés qui dansent, on laisse une pause longue derrière pour pouvoir faire ressortir l'ambiance. Mais c'est un petit peu cette technique-là. C'est qu'on va utiliser une pause longue qui va nous permettre d'avoir un flou de bouger du modèle ou un flou de bouger du photographe qui va nous donner une petite impulsion et une photo nette grâce au coup de flash qu'on va implanter. Alors comment ça fonctionne? On va simplement se régler sur la puissance du flash. Si on fait une photo avec un temps de pause classique, un 200ème de seconde, on aura uniquement la photo nette. Si on fait une photo du coup avec un temps de pause plus long, ça dépend de ce qu'on photographie, on va tenter une demi-seconde aujourd'hui, on va pouvoir avoir un effet de filet. Et le fait d'associer ces deux réglages va nous offrir la possibilité d'avoir une image qui est avec un petit peu d'ambiance, un petit peu de mouvement. J'ai fait un petit test tout à l'heure, j'ai trop de température de couleurs différentes, donc je vais la passer en noir et blanc, parce que là sinon vraiment c'est un peu harlequin. Ma photo au 200ème de seconde avec ma boîte, là je suis à f22,
J'ai quelqu'un derrière, désolé, ça tire la photo. Concrètement, j'ai un portrait qui est figé, hein, tout bête, rigide. Et si je fais une photo sans déclencher mon flash et à une demi-seconde, j'ai quand même de la lumière ambiante derrière, on fait ce qu'on peut. Mais je me retrouve avec un mouvement, un flou de bouger. Le fait d'associer ces deux images... Donc là, images, on est d'accord, c'est sans flash. Hein, c'est juste là, c'est sans flash, c'est juste l'ambiance avec ton mouvement. Là, je suis à 1/200 de seconde. Bon, F22, parce que j'essaye d'occulter un maximum la lumière ambiante avec un flash à plein pot, 500 joules. Et donc, quand je change ma vitesse d'obturation et que je ne déclenche pas mon flash, si je bouge, j'ai forcément une photo floue. Si j'associe ces deux réglages, je reste à une demi-seconde, je déclenche le flash, on va essayer de faire quelques images. Sarah ? Mais chaque fois, on fait déclencher le flash, il donne un petit mouvement qui est complètement différent de ce que l'on peut faire en condition de reportage quand on a un flash sur l'appareil photo et qu'on donne également un mouvement, puisque du coup, le flash, il bouge. Et là, l'intérêt de la photo, c'est que seul l'appareil photo bouge, le flash, lui, ne bouge pas. Alors, je te rappelle que tu es connecté et tout ce que tu récupères derrière, on le voit. Hein. Ah, tu commences à être pas loin, bravo, ouais. On le fait, mais je crois qu'on la garde. Défi réussi. Mais je peux vous dire qu'il est soulagé parce qu'il n'y croyait pas du tout. Thibaut, t'as réussi tes défis. Non, c'est pas que j'y croyais pas du tout, c'est juste que moi, Roland, il m'a dit on aura un stand avec plein d'espace, il y aura de la lumière tamisée, t'auras un fond noir, vas-y. Et puis j'arrive là et en fait, il n'y a pas de fond noir, il n'y a pas de lumière tamisée, il n'y a rien. Donc bon, forcément, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et donc, voilà. Je suis content d'avoir à peu près réussi à sortir. Non, c'est vrai que ce type d'image se fait réellement dans une ambiance très tamisée. Et c'est pas très conforme à ce qu'on arrive à faire sur un salon. L'idée, c'est surtout de vous montrer la technique pour que vous puissiez savoir l'utiliser. Et pas forcément de produire une image de qualité internationale ici, quoi. Dans tous les cas, un grand merci Thibaut. Cette conférence est terminée. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Il a répondu merci les défis. Beaucoup. Merci. Il s'est mis en danger. Si vous voulez retrouver son travail, c'est ton site web qui est thibautchat.fr. Thibautchat.fr, tout simplement. Tout simplement. Merci à tous. Et merci. Bon salon. Bravo Thibaut. Merci.